génial trompettiste. Le prochain album que vous sortirez s'appellera Capacity to Love. Ce sont les artistes, je le disais tout à l'heure, qui vous avez aimé travailler, qui vous le rendent bien. Et il y a cette question sur Sharon Stone, parce qu'on est resté un peu comme ça en l'air. Et voilà, et Sharon Stone j'ai balancé termine. Le truc comme ça. Et j'ai un scoop, Sharon Stone arrive sur mon album à la fin, elle pose une petite voix, et au revoir, merci, et c'était la pub. Non. Ouais, non, c'est fou, hein, moi je suis d'accord. Mais alors quoi? Comment ça s'est passé? Mais oui, comment ça s'est passé enfin? En fait, il se trouve que ça peut paraître prétentieux de le dire comme ça, mais je suis désolé, c'est la vérité. Elle suivait mon compte Instagram, comme elle suit d'ailleurs beaucoup de comptes. Hein. C'est une femme qui aime voir un peu ce qui existe un peu partout dans le monde et elle suit un peu beaucoup de monde. Donc elle suivait mon Insta et puis de temps en temps, elle met des commentaires quand je poste des trucs et elle me dit qu'elle aime bien, etc. Donc je lui ai répondu une fois en lui disant merci, enfin, c'est vraiment vous, est-ce que. Ouais. Et donc voilà, de là est né. Elle met des commentaires sur votre compte Instagram. Non, mais de là est né c'est un formidable. Lien. Et puis il se trouve qu'elle connaît aussi bien Quincy ouais. Jones, avec qui je travaille depuis quelques années maintenant, et qui est mon manager aux États-Unis, et sa boîte est devenue mon management. Et donc du coup, il y avait un lien assez rapide, et donc je l'ai contactée, je lui ai fait écouter une musique, et elle m'a dit j'adore, je peux poser un texte là-dessus, évidemment. Donc voilà. Sébastien Bordonnave, Nicolas Carreau. Bonjour.